Yo les gars, c'est les The King Cell. Comment ça va les gars, ça super, c'est votre comme toujours les amis. On se retrouve aujourd'hui pour le troisième épisode sur Dragon Ball Z Xenoverse 2 les gars. Voilà, dans le dernier épisode on s'était pas mal éclaté avec les entraînements pour faire progresser notre personnage au niveau 5. Vous voyez que maintenant il est au niveau 6, tout simplement pourquoi? Parce qu'on est parti voir le vieux Kaioshin, vous savez. Voilà, et monsieur Kaioshin propose des missions les gars. Et comme vous allez le voir, les missions, pas mal de missions pour progresser, apprendre pas mal de combos. J'en ai fait 3-4 en tout. Déjà, le reste, j'avancerai tout seul. Je vous conseille vraiment de tous les faire dès le début. Il y a, il me semble, la 5. Attends, que je vous dis pas de suite. La 4, la 12 et la 13 qui sont ultra dures à faire. Vous voyez le niveau de difficulté. Assez compliqué à faire, les gars. Donc, vous allez prendre du temps, mais faites-les. Vous aurez un trophée en plus à débloquer. Pas mal de choses. Vous verrez, c'est super intéressant. Donc, on avancera. Du coup, j'ai fait cet entraînement, les gars. Vous avez vu qu'il y a le bureau d'examen. On n'a pas encore le niveau pour le faire. On le fera peut-être dans le prochain épisode, les gars. Du coup, on va aller voir nos stats tout de suite. Alors, modifier l'équipement, on n'a rien du tout pour l'instant. On ira sûrement faire un petit tour à la fin du jeu. Au niveau des attaques, alors, crash de météore. On a crash de météore, coup de météore, les gars. C'est des attaques complètement différentes. On a le Kamehameha distordu, c'est-à-dire qu'il part un peu partout. On a la décharge d'énergie consécutive, envoie un Kyo à grande portée devant toi. Et la super garde, tu ne reçois pas de dégâts pendant un certain temps. Ça peut être pas mal. On a l'explosion magnifique. Coup de météore, clash. On va mettre le décharge d'énergie consécutive. On va mettre deux attaques comme ça. Et on va mettre le Kamehameha. Voilà, on va la jouer comme ça, les gars. Et on a une dernière attaque spéciale. On va mettre la clash du maître. Voilà. Attaque ultime, on n'a pas. On a déjà Kamehameha enchaîné, les gars. Attaque, évasion, super saut en avant, ascension immédiate. Est-ce qu'il était un grand bond en avant pour t'échapper? Montrer rapidement disparition. Ok, okay, c'est bon comme ça. On va finir par les attributs, on a trois attributs, on va augmenter ceux qui nous manquent du tout, la santé, l'endurance et le truc, l'attaque de base. Voilà, voilà les gars, pour notre personnage qui est niveau 6. Du coup, on va, les entraînements avec Krillin et compagnie, on les fera, vous inquiétez pas, dans un autre épisode, c'est important de les faire pour développer pas mal d'attaques. D'ailleurs, parmi tous les personnages, vous pouvez choisir un maître, vous savez, on a le téléporteur, et du coup, on va se rendre... Il nous dit de nous rendre au centre de la map. On va y aller tranquillement en surfant, les gars. Vous savez, les petits surf au calme. Ouh, que. Aïe. Et là, les personnages du jeu, ils sont chauds. Allez, hop. Allez, il faut aller voir la demoiselle. Le Kaioshin du temps. Allez, on écoute la Kaioshin. Salut, ça fait du bien de te revoir. Alors, que penses-tu de l'académie et des quêtes parallèles? Ouais, ça va, c'est sympa. Tu peux t'en servir pour développer ta puissance. Ce que je vous disais, très important de le faire dès le début. Je suis curieux de voir le genre de personnage que tu viendras. T'inquiète pas, mon gars. Tu peux dépenser les zénis gagnés pendant les quêtes et autres tâches dans les boutiques de vêtements, techniques et accessoires. Tu peux aussi combiner certains objets pour en créer de nouveaux dans la boutique de mélange, recevoir des objets d'autres joueurs ou des événements qui est uniquement certains joueurs de la semaine. Ok, c'est bon à savoir, donc faut vraiment être présent pour certains trucs. Une Superman est un jeu qui équipe dans les effets sont activés lorsque certains conditions sont remplies au combat, tu peux le connaître. Les... Ok, super, type des super âmes. Ok, d'accord, merci Kaioshin. Donc maintenant, rendez-vous en haut. Là-haut. On est parti, on y va, les gars. C'est parti. Gars, le surf, c'est la lourdeur du game. On est arrivé et il me semble qu'il va falloir que... Tu travailles dur, n'est-ce pas? La patrouille galactique très connue, tu sais. J'ai toujours su que vous dites que je n'ai rien dit. Tiens, tu prends ça et fais-en de bon usage. Je vais te... Une capsule d'essence sans jus. Ok, merci ma belle. C'est gentil. Du coup, on a rendez-vous, à mon avis, à l'intérieur pour une mission, les gars. Événement d'histoire. Voilà ce qu'il nous propose, peut-être un événement, un gros événement. On va voir ça tout de suite. On est arrivé dans le bendo. Qu'est-ce que c'est magnifique le bendo. Ah, monsieur Kaioshin, le bon sens, les éducations n'en finissent pas. Bonjour, tu tombes à merveille. Les mots du jeu cassent sur l'histoire ont lieu dans ce nombreux épisode. Nous aurons bien besoin d'un peu d'aide. Dans l'immédiat, il y a l'attaque de la Terre par les Saiyans ou le départ des Terriens pour la planète Namek. Quelle modification d'histoire structure au jeu? Histoire de la Terre, histoire de Namek.
Namek, on va la faire après. On va commencer par l'histoire de la Terre. On va suivre l'ordre chronologique. On va affronter, du coup, si je dis pas de bêtises, Vegeta et Nappa. Je vois, dans ce cas, rends-toi à la crypte du temps. Alors. Ah, il est frais le parchemin que j'ai dans la main. Ce parchemin indique que l'histoire, une fois de plus, était modifiée. Voilà l'arrivée des deux Saiyans, Nappa et Vegeta sur Terre. Deux Saiyans, cette fois, ce sera délicat, tu ne crois pas? Ces changements sont accélérés dernièrement, fais attention. On est en 762, il me semble. Oh, Nappa, vrai flow. Dommage que t'es un boloss. Je suis avec ma team, énervé. Et il y a Vegeta derrière qui fait le mec les épaules au calme. Frère, on va te montrer c'est qui le papa, le patron, les gars. Assaut Saiyan, défendre la Terre, diminuer la santé de Nappa sous un seuil. Ok, on va faire le taf. Il a un flow, Nappa, quand même. La qualité, mon gars. En plus, on est 2, 4, 5, 6. Massacre, mon gars. Allez hop. Après, on va te la mettre fort, mon gars. Hop là, allez. Tiens, goûte à ça, mon gars. Validé. Oh, ce que je viens de lui mettre. Allez hop. Ah, dommage, je vais foirer. Ouh, allez hop. Téléportation sur Watt. Finir par un caca-mé-ca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 mé-
On lui a bu une raclée, hein. Aïe aïe aïe, mon gars, sûr. Bon, ça ira pour l'instant. Eh, il a vu le dieu, mon gars, il a eu chaud. Dépêche-toi de la rattraper. Ok, frère, fin. Deuxième combat validé ou quoi? Il en reste un troisième, je suppose. On prend Z dans comme note encore, donc la note ultime, ça c'est cool. Et on passe niveau 7, les gars, ça c'est bon. Allez, on continue sur notre lancée. Un gars, il est parti. Mais qui est-il? Ce n'est pas le moment de se poser des questions. Il faut que je joigne Sangwan rapidement. Je rejoigne, pardon. Je ne sais pas qui tu es, mais merci, tu m'as bien aidé. Je m'appelle Evil the Boy. L'énorme présence que j'ai sentie a disparu, il faut que je me dépêche. Tu veux venir avec moi? Vas-y, man, on est là dans le bando. Let's go. Violence Saiyan, hors limite, pas tous les ennemis. Aga, on connaît l'histoire, après ça se transforme en grand Saiyan. Ça, ça va être relou. Sangoku, à la rescousse de son fils et de Krilin, son gars sûr. Krilin n'a jamais grandi dans l'histoire, frère. Wallé. Krilin reste à l'écart, je m'occupe de tout. Aga, Krilin est petit, mais il est stock, hein. On va venir t'aider, mon gars. D'abord, je m'occupe de Napache. Napache, frère. On va lui faire du salatis. Eh, hey, accroche-toi, frère. On arrive. Aga, je te mets ta tollée, mon gars. Allez hop. Qu'est-ce que je viens de te mettre, Napache? Je vais pas te laisser respirer, quoi. Allez hop. Ah, trop loin. Allez, allez. Allez, 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 Vegeta, fini Vegeta, frère. Et du coup, il commence à fatiguer là. Vegeta, il est relou. Pa. Pour lui caler l'attaque spéciale qui s'y peut. Allez hop. Il a bien vu ce qui quand même. Mais je lui ai mis un 10 du coup. On est bien là. Ah putain, j'ai oublié que... Allez là. Vegito. Z. Ah ouais, ils vont faire les singes, les gorilles. Ah ouais, vrai attaque, mais. Canon gagné. Vraie attaque, frère.
les gars, on est en train de lui en mettre une tollée, frère, allez. Finish. On les a violentés. Allez, Z ou A? Z. Oh, on aurait pu prendre A. Bon, c'est pas grave, hein. Allez, on passe niveau 8, les gars, au calme. Allez, on va faire la dernière mission. Je crois que c'est la toute dernière, même si je vous dis pas de bêtises. Puis on terminera peut-être sur cet épisode. On aura fait la quête de sur la Terre, les gars. Ça va le faire. Vegeta qui se crée sa petite lune. Tout ça pour devenir un singe. Bolos, va. Tu mérites d'être enfermé dans un zoo. Excuse-moi. Pourquoi ils sont chauds? Pourquoi vous êtes des beaux gosses, les gars? La chance à tourner, rien du tout. Rien du tout. Non, on va voir ça. On va voir ça, les gars. Il y a un petit télic, il y a un petit glitch. Enfin, je vais vous montrer ça. Puissance x10, 2, ok, ok. Bon, allez, on peut les battre. Les gars, vous savez, on peut attraper leur queue. Moi, j'ai une petite technique, elle est pas mal du tout. Je vais vous montrer ça tout de suite. Sans Goku, on va pas se pouvoir compter. Ok, voilà. Attaque les réduit leur endurance. J'ai dit la queue, vous avez capté. En tout cas, moi j'ai une petite technique, c'est je colle le ciel. Et après. Oui, 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 attends, attends, parce que sinon je vais me faire tirer dessus. D'abord, on va s'occuper de Nappa. Voilà. Ah, c'est bon. Allez. Je vais montrer ma technique. Elle est plutôt rapide. Net et précis. Et en fait, ils n'arrivent pas à m'atteindre vu que je colle le haut. Et que Nappa n'a plus beaucoup de vie. Hein. Peut-être tu vois mal. Mais... En fait, il faut que j'ai des grosses attaques pour lui faire du, fasse du sale en fait. Et là, en fait, à partir du moment où il est KO, comme là, je peux l'envoyer. Grosse attaque. Et là, faut que je bouge parce qu'il va faire sa boule. Voilà. Vous voyez, c'est ça la petite technique. En haut, et après je tire. Du coup, je suis pas obligé de viser sa queue en soi. Juste à faire ça. Après, je vous cache pas, sur ce coup-là, je ne veux pas trop compter sur son Goku. Ah ouais, la boule, je vous dis, ça bloque pas. Après son Goku il aime bien, c'est ça l'avantage, on est sur le même en plus. C'est vraiment un avantage, lui je reste en l'air. Vous voyez, en plus là ça a touché son pote. Ouais, je me fais plaisir. Jusqu'à que la barre recharge et après on se tire parce que ça fait mal. Donc, tac, voilà, la Pagori, c'est de l'eau. Allez, j'espère que son Goku va encore servir, comme ça après la strat Vegeta. Le mieux c'est envoyer des petites boules comme ça c'est le ki se recharge bien. Et une fois que les petites boules sont envoyées, j'envoie des grosses boules pour terminer. Mais là avec avec le Sangoku dans les parages, ça va être pas mal. Donc on va jouer comme ça et là on se tire parce que comme je vous ai dit, il y a deux secondes. Une fois qu'il tire, ça fait mieux. Le Sangoku on fait les frais d'ailleurs depuis tout à l'heure. Vous voyez, je colle vraiment le haut du truc. Hein. Au moins il ne touche pas depuis tout à l'heure. C'est vraiment un glitch du jeu les gars, ça sur ce coup là ils ont floppé, hein. La vie qui va pas m'atteindre du tout, en plus c'est bloqué, vous voyez je peux pas aller plus haut, on doit rester en haut, ouais, même la pierre elle me touche pas, comme ça moi je me mets à fond, et là, on est KO, on essaye de taper le camion enchaîné. Camion enchaîné, voilà, comme ça, ça lui fait du sac et il est KO le petit Nappa. KO technique le petit Nappa. On va pouvoir passer du coup au poteau Vegeta, Rouluman, et on a encore deux avec son Goku.
On va essayer de faire le taf à deux. Ça va être chaud. Par contre, j'étais un peu plus dur à tuer, je vous cache pas. Mais là, avec l'aide de Son Goku, on va peut-être pouvoir y arriver. En fait, j'ai fait avec mon autre partie, avec mon autre perso. Et avec Son Goku, il était plus lent. Il est mort. Bah, il est déjà mort, mais j'ai jamais été aussi loin avec Son Goku que là. Donc, autant en profiter. En fait, je vous cache pas, Vegeta, il a une vraie barre de vie, les gars. Une double barre de vie, en fait. Donc, vous voyez, déjà là, je vais enlever sa vie, c'est galère. Il a déjà pratiquement tué Son Goku. Autant vous dire que le man est ultra chaud. Son Goku, les gars. Vous voyez que c'est la fin des haricots. Après, c'est à moi de faire taf. Ouais, attention. Et sa barre de vie par vide, donc ça, c'est plutôt cool. On va continuer comme ça. Il va falloir être un peu patient. Cet épisode. On va vous dire que par contre, faut pas rester dans les parages de Vegeta. Parce que pour prendre la tête, ici, il nous la prend la tête. Petit Vegeto là. Bah vous savez quoi? Parce que ça va être la même chose jusqu'à la fin. Du coup, on va se retrouver vers la fin du combat, comme ça, ça ira plus vite. Ah là, les gars. On l'a pratiquement eu, il lui reste un peu. Son Gohan et Krillin décident de venir m'aider. Donc, les gars, on prend et il reste une barre de vie, les gars, complète, hein, avec Son Goku qui est mort, déjà. Autant vous dire que le man, il reste plus ça. C'est Relou Man au pays des Relou Man. Voilà. Il est relou. C'est vraiment relou, les gars. Et Son Gohan, c'est pas le top du top. Je vous dis, les mecs sont nuls. En deux coups, ils sont morts. Je vous dis, Krillin, la prochaine fois qu'il s'est touché, il est KO. Il est KO technique direct. Avec son crâne là, boule de cristal. Allez. Je ne fais pas trop sur lui. C'est pas le gars sûr. Allez, KO, poteau. Et Kamehameha enchaîné. On fait que ça, les gars. Histoire de bien lui couper sa vie. On continue. On enchaîne sur deux trucs comme ça. Et on se tire parce que boum, ça fait mal. Et là, on lui enlève vite sa vie, vous voyez. C'est. Parce que ça. On remplit la barbecue de qui à fond à chaque fois. Donc voilà, on va se retrouver tout de suite du coup pour la fin, comme je vous ai dit, comme ça vous verrez la fin, parce que là ça va être la même chose, voilà, Son Gohan est mort. Bientôt la fin, on l'a pas mal massacré, vous avez vu que j'ai perdu 0 barre de vie, j'ai dit ma technique de glitch, là elle marche super bien les gars, regardez, je recharge mon ki à fond, là je vais le terminer les gars, voilà, tranquille, il n'arrive jamais à me toucher, on est en haut, la seule attaque qu'il peut faire c'est quand il fait son triple salto de la mort qui tue. Voilà, du coup nous on recharge notre barre de ki à fond, voilà, avec des petites attaques comme ça, des Kaio, Kikoa pardon. Et tac 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 tac, vous avez vu, en plus ça lui enlève pas beaucoup de vie, comme ça moi je peux recharger à fond, tranquille. Et là quand je veux vraiment aller beaucoup plus vite, j'envoie une chargée à max. Et voilà, une fois que je suis comme ça, Kamehameha, et normalement je le tue, c'est fini, KO technique les gars. Aga, la queue a été coupée, hein. Bon sang, mon gars, je suis pas en blague, quoi. Finish, game over. Victoire. C'est comment, il y en a encore un ou... Du coup, on va prendre un rang. Ah, je pensais pas avoir plus, c'est sûr. En plus, on n'a pas réussi à protéger nos trois autres persos. Son Goku, Son Gohan et Krillin. Mais bon, c'est comme ça. C'est comment, Vegeta fuit la terre ou quoi? Ah, j'ai trop de flow avec mes yeux, vraiment trop de flow. Voilà les gars, je peux maintenant passer mes examens à l'académie. On a validé la première histoire les gars.
Je vais finir de lire ce que Kaioshin Jutan vous dit, et après je vais vous parler d'un tout petit truc qui s'est passé, vous allez comprendre ce qui s'est passé. Si vous avez déjà joué au jeu, vous comprendrez ce que je vais dire, sinon bah, on en reparlera après. Salut, comment ça va? On dirait que tu te débrouilles pas mal dans la police du temps. Je n'ai jamais douté de toi, bien sûr. T'expliquer comment enquêter sur les grands failles temporaires. Une faille temporaire est une zone où des modifications de l'histoire ont eu lieu, provoquant des fissures dans le temps. Enquêter dans ces zones et corriger les problèmes à leur origine est la tâche la plus importante du policier du temps. Bien que la plupart des failles disparaissent lorsque la source du problème est éliminée, ces grandes failles temporaires sont d'une ampleur incomparable et sont souvent liées à un nombre conséquent de personnages et d'objets. Rapidement, plus rapide, tu vas voir toi-même. Pour pénétrer dans une grande faille temporaire, tu dois pouvoir accéder à la maquette du temps. Tu connais la maquette du temps, n'est-ce pas? Ce sont les choses qui flottent au-dessus de Cone City. À part donc, j'oublie que tu ne pouvais pas donc voler, il va falloir que tu passes la téléportation. 5 grandes failles temporaires, tu peux passer par le téléporteur pour les atteindre. D'autres personnes sont. Ok, d'accord. D'autres personnages dans le game. C'est les maquettes du temps en haut pour m'emmener à plusieurs lieux, comme la maison de Satan, capsule corp, maison de doyen, maison de boue et vaisseau de Freezer. Donc, on va avoir plusieurs endroits qui nous rappellent l'univers DBZ. Donc, ça, c'est plutôt cool, les gars. On va se monter du coup là-haut. Donc, voilà pour ce. La fin de notre histoire. Voilà, ce que je voulais vous dire, c'est qu'il manque une petite partie. Il y a une cinématique en fait, juste après le combat. Une longue cinématique où on voit. Pas mon perso en fait. On voit Thalès avec. Celui qui ressemble à Piccolo. J'ai oublié son nom. Toad, Stoys. Je sais plus comment il s'appelle. Ils sont posés, ils ont détruit un peu la terre et tout, tout ça. Et là, il y a Mira qui vient avec son associé, son serviteur. Et un autre mec qui ressemble étrangement au père de Sangoku, les gars. Et du coup, ils disent qu'il faut que je fasse. Ils veulent foutre encore plus le bordel dans le temps, dans toutes les histoires et tout. Donc il faut qu'ils continuent comme ça. Ils leur donnent un fruit de démon pour qu'ils soient encore plus forts, pour venir nous embêter. Et puis voilà, on a parlé nous également avec Maître Kaioshin et Maître du Temps. Kaio du Temps. Il y a le héros de la ville qui est là-bas là. Le poteau là-bas, là, voilà, qui est venu nous rejoindre avec Trunk, qui est le chef des gardiens du temps, voilà. Et puis voilà, ils ont discuté, ils ont dit qu'il fallait se continuer comme ça, que c'était du bon taf, qu'il y avait des gens qui foutaient la merde, des gens qui foutaient la merde, c'était les autres du coup. Voilà la fin de notre épisode, on va juste du coup donner de jeu. Vous voyez qu'on a 16% de la quête, 1% de la quête parallèle, on n'a pas encore affronté de perso en ligne, mais ça va venir, notre perso commence à monter. Pseudo, symbole, on a pas mal de trucs. On va s'appeler le nouveau. Attendez, il y a quoi? Bleusé, novice, débutant, bisouté, apprenti. Première année, néophyte, nouveau. On va s'appeler, pas nouveau, on va l'appeler le bisout. Bisout, est-ce qu'il y a un symbole pour le bisout? Ah, il y en a un pseudo, hein. Symbole, on a au zéro symbole. On n'est pas dans le symbole, nous. Donc voilà, au niveau du personnalité, on va prendre les améliorations des attributs. On a 6 attributs augmentés, donc super truc, vous le savez. Tac, 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 on va faire comme ça. Faire 4, 4, 4, 4, tac, tac. Et on va augmenter un peu la santé et l'endurance. Voilà pour notre perso qui commence à avoir une belle petite forme, les gars. Et puis voilà les gars. Donc voilà, j'espère que ce troisième épisode de Dragon Ball Z Xenoverse 2 vous aura fait plaisir en ma compagnie les gars. Surtout n'hésitez pas à lâcher votre pouce bleu, ça permet de référencer la vidéo et la chaîne surtout. Continuez à vous abonner, on continue à augmenter, on est bientôt aux 1500 abonnés. Donc on continue comme ça, on veut monter aux 2000 et on continue comme ça sur tous les jeux différents qu'on pratique avec vous. Même Xenoverse, je m'éclate, bientôt il y aura des combats en ligne, pourquoi pas avec vous les gars si ça vous intéresse. Et qu'est-ce que je voulais dire? Pour le reste, bah, lâchez votre pouce bleu, on continue comme ça. Je vais vous lâcher beaucoup plus d'épisodes plus rapidement les gars. Et puis mon Twitter, mon Facebook dans la description pour suivre toute l'actualité avec moi du King les gars. La chaîne Twitch pour pas mal de live également sur ce jeu et d'autres jeux les gars. C'était le King dans la joie, dans la bonne humeur. Allez, peace out la famille avec Heavy Boy, notre gars sûr. Comme toujours les gars, peace out.